Récemment, j'ai fait un sermon sur le premier et le deuxième commandement. Et aujourd'hui, je veux parler du huitième commandement. Pourquoi le huitième commandement et pas le troisième, demandez-vous peut-être. Eh bien, le fait est que les sermons sur le troisième jusqu'au septième un commandement que j'ai donné dans le passé sont affichés sur le site YouTube de l'Église et peuvent être facilement consultés. Donc, si vous avez le temps, les sermons sur les commandements sont déjà là. En revanche, le huitième commandement n'est pas. Je voudrais juste faire une autre version de ce sermon. J'ai donné une version il y a de nombreuses années, peut-être quelques-unes entre vous peuvent souvenir, mais j'espère qu'il quand même il vous sera utile. Donc le huitième commandement, et tu ne dérobera point. Il englobe beaucoup d'autres commandements. Vous pouvez dire le meurtre est un vol de la vie d'une autre personne, l'adultère est le vol du conjoint d'une autre personne, le mensonge est le vol de la justice due à une autre personne, etc. En fait, dérober ou voler, d'une certaine façon, résume et tout un mode de vie, appelé la voie qui consiste à apprendre. La voie qui consiste à apprendre oriente la vie d'une personne vers le fait d'obtenir de façon égoïste. Si ce n'est pas par les moyens légitimes, alors par les moyens illégitimes. C'est l'antèse de ce qu'il appelle la voie du don. Le respect du bien, des biens d'autrui, qu'il soit matériel ou immatériel, et le respect de nos obligations et devoirs envers les autres, représente l'une des expressions quotidiennes les plus fréquentes de notre désir d'aimer Dieu et notre prochain. Il s'agit de soucis pour autrui, pour ce qui est extérieur à nous et d'une voie qui consiste à donner de nous-mêmes pour assurer le bien d'autrui. Et en fait, l'un des moyens les plus rapides de savoir où une personne se situe au sujet du vol est de mentionner à cette personne une loi ou une restriction concernant quelque chose que cette personne désire posséder. Par exemple, je dois déclarer cet argent sur mes impôts ou je dois rendre ce portefeuille plein d'argent que j'ai trouvé dans la rue. Donc ça, c'est juste deux exemples. Le fait est que beaucoup d'entre nous n'auraient probablement pas la conscience tranquille en entrant dans un supermarché et mettant quelque chose dans leur poche et en sortant sans payer. Ça sera de vol, n'est-ce pas? On ne ferait jamais ça, j'espère. Nous savons qu'il s'agit d'un vol parce qu'il y a des caméras, un caissier de supermarché, et socialement, nous savons que nous ne devrions pas prendre quelque chose dans un magasin sans payer pour l'acheter. Mais en dehors de ce contexte, nous pouvons parfois ressentir qu'un a le droit de faire certaines choses, car on se dit si cela ne fait pas de mal à personne, ce n'est pas un problème. En prenant ou en utilisant quelque chose qui n'est pas nécessairement à nous, sans se rendre compte, nous sommes peut-être en train de voler. Donc aujourd'hui, je veux parler du huitième commandement, comme j'ai mentionné, dans Exode 20 et verset 15. Nous discuterons de la compréhension historique des Juifs concernant ce commandement, puis de ce que l'Église de Dieu croit être son sens plus large
et sont en tension. Ce sermon, contrairement au sermon précédent, a tendance à s'apprêter à des exemples plus concrets, ce qui peut nous sembler plus spécifique et restrictif. Il se peut que je mentionne des choses qui nous rendent un peu inconfortables, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes tous dans le même bateau et je vais partager avec vous certains de mes moments difficiles et de mes erreurs personnelles au fil des années dans ce sujet. Nous examinerons quatre points, notamment le vol de biens, le fait d'emprunter et de ne pas rembourser, l'équité dans nos relations d'affaires et le paiement de nos dîmes. Voilà, ça c'est nos quatre points pour aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, reportez-vous à Exode 20, verset 15, si peut-être vous êtes déjà là. Examinons d'abord le mot hébreu pour dérober. Dérober. Dans Exode 15, pardon, 20, verset 15. On peut lire ce commandement ici. Il dit, tu ne déroberas point. Toute cette phrase n'est que deux mots en hébreu. Le mot hébreu pour non, ça c'est premièrement, et le mot hébreu pour dérober, qui est gonad. En fait, ce verset est l'un des versets les plus courts de la Bible. Certains érudits ont remarqué que le commandement ne contient pas des limites spécifiques. Autrement dit, il ne décrit pas précisément ce que nous ne devons pas voler. Dans le cas de tu te tueras point, nous savons que cela signifie une autre personne. Dans le cas de tu ne commettras point d'adultère, nous savons que cela signifie avec une personne mariée. Dans le cas d'honorer ton père et ta mère, nous savons que cela s'adresse spécifiquement aux enfants envers leurs parents. Donc ça, c'est spécifique. Mais le commandement de ne pas dérober ne stipule pas de qui ou ce que nous sommes censés ne pas voler. Par exemple, pourrions voler la réputation de quelqu'un en mentant ou en racontant des ragots à son sujet. Nous pourrions voler le bien-être et l'équilibre de soi d'une personne en abusant de sa confiance ou tout simplement en abusant celle-ci sur le plan émotionnel ou physique. Les parents alcooliques peuvent voler l'enfance de leurs enfants en concentrant toute leur capacité émotionnelle sur eux-mêmes et le problème plutôt que sur leurs enfants. Les parents qui refusent de permettre à leurs enfants de grandir ou de vivre leur propre vie peuvent voler la vie de leurs enfants adultes. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Les gens qui monopolisent le temps des autres peuvent voler des relations importantes. Je pourrais donner bien d'autres exemples. L'idée ici et qu'il y a des limites à respecter entre nous et les autres, et celles-ci définissent ce que nous possédons et ce qu'ils possèdent. Le commandement n'a donc pas de limites quand il s'agit de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Voyez reporté à Exode 21, verset 16, ça c'est juste dans la même page pour nous. Et lisons ce verset parce que ça utilise aussi le même terme. À Exode 21, verset 16, il dit, celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu et retenu entre ses mains sera puni de mort. Le mot dérobera ou dans autre version kidnapper, je ne sais pas, peut-être votre version de la Bible utilise le mot kidnapper, est le même mot hébreu gonab. Et que dans Deutéronome 24, verset 7, où l'enlèvement est également mentionné. Ce lien linguistique conjugué au fait que l'enlèvement était passible
de la peine de mort en vertu de la loi de l'Ancien Testament, tout comme l'adultère et la meurtre a amené certains érudits à croire que le commandement devait être interprété en sens étroit, comme il s'agit seulement d'un élèvement. Donc ça, c'est une certaine interprétation, mais l'Église de Dieu ne croit pas que l'interprétation de ce commandement soit aussi étroite. Elle est plus large. Reportez-vous, s'il vous plaît, dans le Nouveau Testament, maintenant 1 Corinthiens 6, verset 9, et on va voir le mot grec pour voler qui correspond au mot en hébreu gonade. Pardon, 1 Corinthiens 6 et verset 9. On va lire le contexte parce que le mot, on va voir le mot dans verset 10. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs. Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le mot pour voleur ici, dans verset 10, en grec est le mot klepté, d'où le terme en français kleptomanie, klepté. Un commentaire sur l'étude des mots définit klepté comme un voleur qui vole en secret plutôt qu'ouvertement par la violence. Ce mot est largement utilisé par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament pour décrire quelqu'un qui vole des choses et dans de nombreux passages, il y a même un lien direct avec le huitième commandement. Donc ça, c'est le sens souvent dans le Nouveau Testament. Comme c'est le cas dans, par exemple, Matthieu 19, ce n'est pas nécessaire de reporter, mais Matthieu 19, verset 17, dit, si tu veux entrer dans la vie, observez le commandement. Puis il cite, tu ne déroberas point. Donc, ce commandement est répété avec ce même mot grec dans Matthieu 19. Je trouve intéressant que le vol soit élevé au niveau d'adultère et de l'immoralité sexuelle, y compris le fait d'être inscrit immédiatement après la sodomie. Je trouve cela intéressant parce que cela montre à quel point Dieu prend le vol au sérieux. Dans ce passage, nous voyons aussi que la convoitise est liée au vol dans le sens que c'est le fait de désirer quelque chose que nous ne possédons pas. Et de plus, le désir de quelque chose que nous n'avons pas pourrait mener au vol et à l'extorsion, ce qui est une autre forme de vol. Donc, basé sur ces passages, l'Église de Dieu considère le huitième commandement comme étant une instruction complète et sans limite pour décrire l'interdiction de prendre quelque chose qui ne nous appartenait pas. Donc, passons ensuite en revue quelques exemples bibliques sur la façon de comprendre ce que la Bible signifie par dérober. Dérober ou gonab en hébreu ou klepté en grec. Le premier exemple est le vol de biens personnels. Le vol de biens personnels. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Exode 22. Donc, revenons. Nous avons lu Exode 20, Exode 21. Et maintenant, on va continuer à Exode 22, maintenant à partir de verset 1. Exode 22 et verset 1. Il dit, si un homme dérobe
un bœuf ou un agneau et qu'il égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Voici l'un des enseignements fondamentaux sur le vol. Si vous dérobez, vous devez payer une amende. Ça, c'est important. Vous ne serez pas puni de mort. Remarquez bien. Ou ne vous coupera pas les mains. Non, c'est une amende. Il s'agit simplement d'un dédommagement. La pénalité devait être assez élevée pour que nous soyons découragés de voler à l'avenir. Dans ce cas, l'amende est égale à 500% dans certains cas et 400% dans d'autres. Et si une personne n'avait pas l'argent nécessaire pour payer le dédommagement, elle se vendait à la servitude pour une durée déterminée afin de rembourser sa dette. Voler ici, c'est aussi clairement une situation où quelqu'un prend quelque chose sans permission. Par exemple, si l'argent de quelqu'un d'autre est en votre possession et que vous avez eu un besoin, comme un problème médical, un parent qui n'est pas assez pour payer le loyer, etc., vous devez quand même demander la permission de prendre l'argent, même si l'argent est dans votre possession. L'importance du besoin ne justifie pas le fait de prendre sans demander. Nous ne prendrons pas le temps de retourner, mais ça c'est marqué dans Proverbe 6 et verset 30. Proverbe 6 verset 30 dit: On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Même quand quelqu'un a faim, il doit demander de l'argent de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas voler pour manger. C'est intéressant. C'est intéressant parce que souvent on croit que le besoin justifiait le péché. J'étais faim, c'est nécessaire. Non. Même la Bible dit que quand il y a un besoin, on ne peut pas voler. Et il est dit immédiatement après verset 31, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Ainsi, même un vol dû à la faim ou à des besoins médicaux ne signifie pas que le dédommagement ne devrait pas être payé. Même l'amende est 700% dans ce cas. Intéressant. Passez maintenant au verset 2, ici à Exode 2 à 22, verset 2. Si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Intéressant. Mais verset 3. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'y a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Voilà, voici une situation où quelqu'un s'introduit par effraction dans une maison pour voler et nous voyons un enseignement détaillé et nuancé. Si le voleur décide d'entrer par effraction dans une maison pour voler la nuit, il risque d'être tué par son propriétaire. Le propriétaire, surpris et à moitié endormi, peut ne pas être assez conscient de la force qu'il utilise pour arrêter le voleur. Et si cette force tue le voleur, le propriétaire ne sera pas tenu responsable de la mort du voleur. Cependant, si le voleur vole à la lumière du jour et que le propriétaire est éveillé, il est tenu un homme plus élevé
et pourrait être tenu responsable de meurtre ou d'homicide involontaire. Nous voyons en outre que si le voleur est prise vivant, il doit payer le double de la peine normale, soit 800% ou 1000% pour les moutons ou les boeufs, parce qu'il y a la violence avec, peut-être. Maintenant, verset 5, verset 5. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Ça c'est intéressant aussi. Nous pourrions continuer à lire verset par verset et voir que Dieu est très détaillé en termes de types d'exemples de vol et de peine. Au verset 6, il décrit ce qui se passe si un incendie se déclare. Au verset 7, il décrit ce qui se passe si les marchandises sont livrées pour être gardées en lieu sûr. Au verset 10, nous voyons un cas où la cause de la destruction ne peut être déterminée parce que l'animal s'est enfui et comment gérer cela. Donc, il y a toutes sortes des instructions. Passons maintenant au verset 14. On peut voir aussi quelque chose d'important pour nous. Et lisons quelque chose qui arrive souvent aujourd'hui. J'ai vu ça dans plusieurs reprises. Verset 14. Si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meure en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Une application moderne de ce principe est que lorsque nous empruntons quelque chose, disons que nous empruntons le tondeuse de notre voisin parce que la nôtre est cassée. Si la tondeuse cesse de fonctionner alors qu'elle est en notre possession, alors nous sommes responsables de réparer la tondeuse. Voilà, ça c'est l'application. Si nous ne réparons pas la chose que nous avons empruntée, nous voulons. Pensez-y. Quand vous empruntez la voiture de quelqu'un, imaginez que vous conduisez la voiture d'une autre personne et qu'elle tombait soudainement en panne. Selon les instructions du verset 14, vous, en tant que personne qui a emprunté la voiture, devez la réparer. Ce coût pourrait s'élever à des milliers d'euros. Bien sûr, on peut négocier un petit peu parce que si c'était une voiture, elle n'était pas en bonne condition. Peut-être c'est une réparation que le propriétaire peut le faire avant. Donc, il faut bien avoir la sagesse sur ce principe, mais ça, c'est le principe de base. Sur la base de cette instruction, nous devrions réfléchir sérieusement à la possibilité d'emprunter des choses de personnes. Ça, c'est l'exemple. Avant de quitter ce point, discutons d'un autre point biblique sur le vol de biens que l'on peut trouver dans Deutéronome 22. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Deutéronome 22. J'espère qu'après cet exemple, nous pouvons comprendre que voler, c'est plus qu'aller dans un magasin, prendre quelque chose sans payer. Il y a des principes partout. Deutéronome 22, à partir de verset 1. Si tu vois égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramenères à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilliras l'animal dans ta maison. Et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors tu le lui rendras.
Voilà. Donc, ça décrit une situation où vous allez voir, vous voyez qu'il y a un problème avec le bien de votre voisin, de votre frère. Verset 3. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aura perdu et que tu trouveras, tu ne devrais point t'en détourner. Dieu enseigne un principe selon lequel nous devons aider les autres à prendre soin de leurs biens. Plus précisément, nous devons aller parler au propriétaire de ses biens perdus ou lui remettre les biens perdus. Le principe du monde qui dit celui qui trouve le garde en tant que pis pour celui qui l'a perdu. Ce n'est pas dans la loi divine. Donc, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, ma fille, Sophie, a trouvé un portefeuille avec une grosse somme d'argent à l'aéroport aux États-Unis, à Cincinnati, et l'a rendue à la police. La police était très heureuse qu'elle l'a fait, à la fois parce que c'était la bonne chose à faire et aussi parce que cela aurait pu lui être bénéfique. Selon la loi, il a expliqué que si une personne ne réclamait pas l'argent dans un certain délai, elle aura le droit de garder l'argent. Elle s'est avérée que quelqu'un l'a clamé et bien sûr, il était très reconnaissant de l'honnêteté de Sophie. Donc ça, c'est le principe. Nous avons même la responsabilité pour le bien de notre frère et nos voisins. Si nous trouvons quelque chose de valeur qui ne nous appartenait pas, nous ne devons pas supposer que c'est à nous. Nous devons le garder en sécurité jusqu'au retour du propriétaire. Dans le cas des lois locales de l'État Ohio, cela signifie que le propriétaire avait un délai raisonnable pour réclamer la propriété. Voilà, ça c'est le premier point. Passons à une autre application du huitième commandement. Le deuxième point d'aujourd'hui concerne emprunter de l'argent et ne pas le rembourser. Donc, reportez-vous à psaume 37, psaume 37, verset 21. Psaume 37 et verset 21. Il dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Donc ça, c'est le principe de base. J'ai vu des membres de l'Église prêter de l'argent à d'autres membres de l'Église et cela a causé tant de problèmes. J'ai vu tant de gens blessés et littéralement, les gens cessent de venir à l'Église à cause de ces situations comme ceci ici. Et ça arrive aussi, bien sûr, avec toutes sortes de personnes. La même chose se produit dans les familles. Un frère doit de l'argent à un autre frère et pense que c'est correct de ne pas le rembourser pendant longtemps. Pourquoi? Certaines personnes utilisent les cartes de crédit de cette façon aussi. Ça, c'est pas vraiment un problème en France parce que souvent nous avons les cartes bancaires, les cartes où s'il n'y a pas d'argent dans le compte, on ne peut pas utiliser la carte bancaire. Mais il y a des gens qui croient avec la carte de crédit où on peut emprunter l'argent et on paye juste un petit somme à la fin de la mois. Ils croient que c'est pas un problème et on peut abandonner cette carte. Non, si on emprunte de l'argent de notre frère, il faut rembourser dans un temps raisonnable. Il faut garder ça en tête.
Si jamais nous envisionnons d'emprunter d'argent à quelqu'un, nous devrions avoir un plan de remboursement. Et il devrait y avoir un document écrit qui indique exactement quand l'argent sera remboursé. Ça, c'est très, très important. Souvent, quelqu'un demande, est-ce que je peux emprunter un certain somme? Et il n'y a pas une discussion de le plan de remboursement. Peut-être la personne qui donne l'argent croit que, ah, il va rembourser dans une semaine. Et l'autre, il croit que dans un mois. Non, il faut avoir un document qui indique exactement quand l'argent sera remboursé. S'il s'agit d'un investissement d'affaires, est-ce que le prêt sera remboursé avec intérêt? Ou quel sera le taux? Et quel sera le taux d'intérêt? Ça, c'est pour les choses commerciales. Souvent, les gens ne prennent pas le temps d'écrire ces choses. Puis plus tard, lorsqu'il y a un problème, le problème est souvent le résultat d'une mauvaise communication. Comme j'ai mentionné, une personne pense que le prêt était d'une durée de 3 mois, tandis que l'autre pense qu'il était à une durée de 3 ans. Une personne pensait qu'au moins de 10% devait être remboursé au bout de 6 mois, l'autre a entendu parler d'un an. Donc, ça a créé toutes sortes de difficultés. Si jamais nous envisionnons de prêter l'argent à quelqu'un, examinons un passage qui peut guider notre prise de décision. Voilà. Reportez-vous s'il vous plaît à Luc 6, verset 30. Luc, chapitre 6, verset 30. On va lire jusqu'à verset 30 à 36. Luc 6, verset 30. Il dit, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et passons maintenant au verset 34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en seront-en? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais, il dit, verset 35, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en votre récompense. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils de trésor, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Qu'est-ce que ça veut dire? La prochaine fois que nous serons tentés de prêter de l'argent, considérez cela comme si c'était un cadeau, au cas où la personne ne pourrait jamais vous le rendre. Donc, peut-être quelqu'un demandait 20 euros, 100 euros comme une empreinte. Peut-être c'est mieux pour vous de dire non. C'est mieux juste un cadeau. Parce que ça vraiment, c'est la générosité et aussi ça a éliminé toutes sortes de problèmes de communication, le temps de rembourser les documents et tout ça. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des prêts commerciaux légitimes. Mais nous devrions suivre attentivement les bonnes pratiques commerciales en documentant nos attentes avec un contrat et aussi tous les détails. Non, peut-être c'est mieux juste faire un cadeau. À la prochaine fois que vous serez tenté d'emprunter de l'argent, examinez attentivement si vous pouvez vraiment le rembourser. Si l'empreinte de l'argent sans plan clair de remboursement, c'est du vol. Et ça, c'est vraiment un problème que j'ai vu même en Afrique. Passons maintenant à un troisième principe. L'équité dans nos relations d'affaires. L'équité dans nos relations d'affaires. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 19. Lévitique 19,
Et verset 35. Lévitique 19, verset 35, cette fois-ci. Il dit, vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Verset 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des ipas justes et des uns justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est notre principe. Nous comprenons de ce passage que Dieu a ordonné à son peuple, y compris à nous aujourd'hui, d'avoir des échanges équitables. Équitables. Nous ne devons pas faire pencher la balance comme on dit parfois. Lorsque vous achetez de l'essence, vous avez probablement vu qu'il y a une certification sur le pompe qui indique que le pompe a été inspecté pour s'assurer que la quantité distribuée est exacte. Ça, c'est important. Mais cette instruction va au-delà des simples échelles ou mesures littérales. Elle s'applique à la façon dont nous échangeons des biens et des services. Jésus a dit dans Luc 10, verset 7, que l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque nous faisons des affaires avec nos frères et sœurs dans l'Église, nous devrions nous efforcer de respecter les normes les plus élevées même d'équité en matière. Donc, il faut avoir un esprit généreux. Si un juste salaire est, par exemple, 10 euros l'heure pour le travail, paye un petit peu plus, 10,50 euros, même 11, juste pour être de bon côté. S'il y a une question quant au nombre d'heures, on devrait être arrondi à une unité supérieure. Si c'est nous qui sommes embauchés, nous ne devons pas nous attendre à des faveurs particulières. Et si la personne qui nous embauche fait une erreur, nous devons le signaler, non pas avec colère ou indignation, mais en pensant que c'est probablement une simple erreur. La communication ouverte et le dialogue ouvert sont les principes clés. Nous ne devrions pas rester les bras croisés face à quelque chose qui nous frustre, car cela suscitera le ressentiment. Malheureusement, parfois, lorsque les membres de l'Église traitent avec d'autres membres de l'Église, ils attendent des faveurs spéciales les uns des autres. Si nous embauchons, nous pensons que la personne devrait travailler pour moins, ou si nous sommes embauchés, nous pensons que nous devrions être mieux payés. Ça, c'est pas le principe. Nous pensons que nous pouvons simplement prendre des congés pour des choses et le patron membre de l'Église comprendra. Non, il faut respecter les uns les autres. Qu'il s'agisse d'un employeur ou d'un employé, nous devrions plutôt désirer donner l'exemple en matière d'équité de notre conduite selon Dieu dans nos relations d'affaires. Donc, ça c'est le principe entre nous, la générosité et les balances équitables. Lorsque nous achetons quelque chose d'un membre de l'Église, nous ne devons pas nous attendre à un rabais. Plus nous payons le pain de prix à l'un, puis nous enrichissons le peuple de Dieu. Donc c'est mieux de ne pas, on peut diminuer le prix. Non, c'est mieux de donner le bon prix pour les choses. Et ça, c'est notre rapport à notre voisin, avec dans notre communauté aussi. Et ça c'est le sens long terme. La relation, c'est la chose plus importante que la transaction.
Et souvent dans le monde, ça c'est le la sagesse du monde, on focalisait sur la transaction et pas sur la relation entre les voisins, entre les frères. Le peuple de Dieu peut bénéficier de suivre ces enseignements. Ceci permet également un soutien généreux à ceux qui sont moins fortunés et qui ont des dîmes et des offrandes plus élevées pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le principe. Reportez-vous, s'il vous plaît, à titre 2, verset 9. C'est intéressant, c'est juste deux mots en hébreu, non dérobé, c'est juste deux mots, mais il y a toutes sortes de principes derrière ces deux mots. Deux titres, ça c'est juste avant hébreu, pardon, juste avant Philémon. Titre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs. Il dit, à être soumis à leur maître et leur plaît en toutes choses et n'être point contredisant. Et à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. À ne rien dérober. Ça, c'est le mot grec klepté. C'est le même concept ici. En tant que travailleur, pour nos employeurs, dans ou hors de l'Église, nous devrions donner une journée entière de travail. Nous devrions aller au-delà de ce qui est requis. Nous ne devrions pas passer tout notre temps à parler aux autres au travail, à naviguer sur Internet ou à gérer nos affaires personnelles. C'est de vol. Si nous employons d'autres personnes, considérons un principe dans le livre de Jacques aussi. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jacques 5 et verset 1. Il s'agit juste quelques pages après. Jacques 5, verset 1. Il dit, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vendront sur vous. Intéressant. Verset 2. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par le temps. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'en leurra et témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, criés, et les cris de moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Si nous sommes des employeurs, nous devons prendre soin d'honorer notre engagement de payer les salaires à temps et complètement. Bien sûr, nous avons des lois de travail qui régissent cela maintenant, mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en Afrique, si nous demandons à quelqu'un de faire quelque chose pour nous avec un certain salaire, il faut payer à l'heure, il faut payer exactement. Enfin, explorons ce que cela signifie pour nous aussi, pour l'instruction concernant les dîmes. Les dîmes et les offrandes. Voyez-vous reporter, s'il vous plaît, à Malachie 3, verset 8. Chapitre 3, verset 8. Ça, c'est notre dernier point. Il dit ici, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, et quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Voici une situation où l'ancienne nation d'Israël négligeait, donnerait les lois de la dîme
et des offrandes. Nous savons, d'après Matthieu 23, 23, que Jésus a soutenu cette loi et on a ordonné l'observance. Nous savons aussi l'ancien historien Joseph, comme les Juifs de l'époque de Jésus payaient leur dîme. Nous suivons donc la pratique d'économiser une première et une deuxième dîme selon le commandement. Bien sûr, une première dîme pour les Lévites, dans le sens moderne de l'Église, et la deuxième dîme, c'est pour nous. C'est pour garder les fêtes des vignes. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Psaume 24. Psaume 24 et verset 1. Et on peut voir ce principe ici. Vous pouvez voir que j'utilise le terme selon les principes parce que il y a des choses spécifiques comme les instructions de Exode 22, très spécifiques, verset par verset, mais il y a aussi les principes. Il faut avoir la sagesse sur les principes. Donc, psaume 24, verset 1. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu possède tout et nous a donné la chance de bénéficier de sa création. Il a seulement demandé qu'on lui donne 10% de ce que, dans sa grâce, il nous a donné. On ne donne pas pour recevoir quelque chose en retour, mais Dieu est miséricordieux et j'ai vu par l'expérience les bénédictions incroyables qui viennent de la dîme. Le principe de la dîme est aussi bien connu même en dehors de l'Église de Dieu. De nombreuses personnes se proclamant chrétiens racontent les histoires des bénédictions incroyables reçues suite à leur obéissance à la dîme. Quand j'ai donné un cours sur la gestion financière ici aux États-Unis, il y a quelques années, nous avons écouté une heure entière de classe par un conseiller financier chrétien discuter de l'importance de la dîme avec de nombreux exemples puissants des bienfaits qui viennent de la dîme. Il nous est également ordonné de venir devant Dieu avec une offrande 3 fois par an. Nous savons par exemple de l'histoire de pauvres veuves qui, même si nous avons très peu à donner, Dieu honore l'intention. Et la somme d'argent est moins importante que l'attitude et le désir de donner. Voler, ce n'est pas seulement prendre aux autres, c'est aussi prendre à Dieu. Voilà, ça c'est le sermon. En conclusion, revenons à 1 Corinthiens 6, et maintenant verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Nous avons lu les versets 9 et 10, mais maintenant je voudrais lire les verset 11. Je veux me concentrer sur le résumé de ce passage qui est verset 11. Il dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ça, c'est le résumé de tout ça. Certaines dans l'Église de Dieu se sont peut-être retrouvées dans les versets précédents, d'une manière ou d'une autre. Avant d'être appelés, nous avons tous été coupables de péché. Certaines dans l'Église à travers le monde pratiquent l'homosexualité. Certaines ont commis l'adultère. Certaines étaient des voleurs. Il est probable que nous ayons tous été coupables de vol. Mais le moment est venu d'apporter des changements à notre vie. Nous devons peut-être reconsidérer avant garder l'argent de trouver par nos besoins personnels, quel que soit le montant.
Ça, c'est le moment d'observer ce commandement. Ça, c'est notre temps de changer. Nous avons reçu la grâce de Dieu concernant toutes ces choses ici. Ce huitième commandement est complet, spécifique et quelque chose qui touche chacun de nous. Cela va bien au-delà de vol dans un supermarché, comme j'ai mentionné. Elle va jusqu'au cœur même de la voie dedans, comparé à la voie qu'on s'est apprendre et la façon de notre traitant notre prochain. Alors, soyez vigilants, diligents pour être fidèles envers le bien des autres, pour remplir nos obligations envers Dieu et autrui, et pour vivre le mode de vie qui consiste à donner. J'espère que ça va vous aider et j'ai hâte d'avoir une discussion sur ce huitième commandement après le sermon. Merci beaucoup et bon sabbat.